Bonjour, quand la saison des courgettes arrive, il faut être prêt à avoir plein de recettes possibles et inimaginables pour pouvoir les accommoder. Je vous présente aujourd'hui une terrine aux courgettes qui est fixée avec de l'agar-agar. En plus des courgettes, il en faut 200 grammes. On va utiliser des pois cassés qui vont donner de la texture et du goût également. Il en faut 150 grammes. J'ajoute aussi 4 gousses d'ail qui relèvent bien. 20 centilitres de lait végétal, là, oups, j'ai oublié de le mettre sur la vidéo, mais il est bien là. 2,5 g d'agar-agar, ça fait 2 cuillères à café et demi. J'ajoute une cuillère à soupe de fécule, un bouquet de menthe et de basilic ou d'autres herbes aromatiques qui ont du goût, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à café de cumin, 2 cuillères à café de coriandre, du sel, une cuillère à café et du poivre. La veille ou un peu plus tôt dans la journée, on fait tremper les pois cassés. Ça va réduire le temps de cuisson. Plus vous les aurez fait tremper tôt, moins le temps de cuisson sera long. On commence donc le jour J par faire cuire les pois cassés. Là, je suis super énervée parce que je ne peux pas utiliser mon four solaire parce qu'il y a un échafaudage sur mon immeuble. Et franchement, c'est hyper frustrant parce que je sais que quand je fais cuire à la casserole sur le feu, ça déborde toujours, c'est insupportable. Ma plaque est après complètement sale. Bon, voilà, c'est ce qui est arrivé encore cette fois-ci. Alors que quand c'est au four solaire, la cuisson est lente et douce et c'est absolument parfait, sans débord et sans avoir besoin de surveiller. Donc, si c'est un argument pour vous pour essayer le four solaire, allez-y, n'hésitez pas, lancez-vous, c'est vraiment génial. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube à ce sujet, dans le i qui apparaît en haut à droite. Bon, cette fois-ci, j'ai fait cuire mes pois cassés sur le feu, une quinzaine de minutes. Pendant ce temps-là, j'ai coupé les courgettes en cubes. Je les ai fait revenir avec les épices, le sel et poivre et l'huile d'olive dans le robot cuiseur. Comme ça, ce sera plus facile ensuite pour préparer la pâte. J'ai ajouté sur mon mélange aux courgettes l'ail et j'ai encore fait cuire une minute. J'ai versé mes pois cassés et égouttés sur le mélange aux courgettes et j'ai mixé le tout. J'ai ajouté les herbes aromatiques et j'ai mixé le tout au robot cuiseur. Ensuite, dans la casserole où j'avais fait cuire les pois cassés, comme ça évite d'avoir trop de vaisselle, j'ai fait chauffer le lait végétal, j'y ai dilué l'agar-agar et puis j'ai reporté à ébullition et fait cuire pour 30 secondes et mélangé au fouet pour que tout soit bien mélangé, bien homogène. J'ai versé ce mélange dans le robot cuiseur, j'ai remixé un coup. Là, on peut tester l'assaisonnement, rajouter du cumin, de la coriandre, du sel, du poivre si c'est nécessaire. Et enfin, j'ai versé dans un petit moule à cake huilé. On peut aussi utiliser un tupperware huilé. Et j'ai laissé refroidir d'abord à température, jusqu'à température ambiante et ensuite au frigo pour 2 heures au minimum. L'avantage de cette terrine, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être cuite ensuite au four, ce qui est vraiment chouette en été parce qu'on n'a vraiment pas besoin de surchauffer les maisons vu la chaleur qu'il fait déjà. Et pour la dégustation, eh bien, il suffit de couper en tranches et puis on peut servir avec une vinaigrette ou une sauce tomate ou de la mayonnaise ou manger tel quel puisque c'est déjà bien assaisonné. Vous pouvez sur ma chaîne YouTube découvrir d'autres recettes d'été, notamment des salades comme dans ces listes de lecture. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt!